Mesdames et messieurs, c'est les pieds dans l'eau que nous vous proposons. C'est notre édition de Planète Verte. Bienvenue à vous quand il est cet instant sur les antennes de Canal 2 International. Merci de nous retrouver pour Planète Verte. Kilomètres de côte, pittoresque, vous me direz, mais une richesse immense qui, à côté, qu'on a une activité et non des moindres, c'est celle de la pêche, mesdames et messieurs. Elle est parfois pratiquée de façon industrielle, mais c'est la pêche artisanale que pratiquent les pêcheurs camerounais. À ce sujet donc, nous sommes allés à la rencontre des pêcheurs traditionnels. Comment se pratique la pêche à Bonassama? Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre les activités de la pêche à Bonassama. C'est sur les berges du Vouri, à Douala, au Cameroun. Le Cameroun dispose d'un important potentiel halieutique avec ses 400 km de côte et de nombreux lacs poissonneux. La pêche artisanale est l'activité principale des populations côtières des rives du Logone, du Chari, du Vouri et des lacs, notamment lac Tchad, lac Do, Maga et Bakao. La pêche au Cameroun se pratique de deux manières distinctes, la pêche artisanale et la pêche industrielle. Avec la mondialisation et l'ouverture à de nouvelles sources de revenus, peu sont encore ceux des pêcheurs qui continuent dans l'activité de la pêche artisanale très florissante il y a à peine quelques années. Si l'on peut apercevoir par endroits les marques des efforts du MINEPIA, ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, à revaloriser ce secteur professionnel, il faut également relever que beaucoup reste à faire. Un site où se pratique encore cette activité de pêche artisanale a retenu pour cette nouvelle aventure l'attention de l'équipe de Planète Verte, Bonassama. Bonassama, sur les berges du fleuve Vouri, est l'une des familles de l'ancêtre Dohou. Bonassama, enfants de Samé, sont les occupants de cette rive du Vouri. Sous la gouverne de Sa Majesté Kingé et Djangé Théodore, l'activité de la pêche, bien que très peu productive à ce jour, continue de nourrir les quelques familles qui s'y adonnent. Moi, je m'appelle Monsieur Ndedi. Je fais dans l'activité, je pêche et en même temps, je le vends le produit. Et comment était la pêche ce matin? Oh, la pêche n'a pas été fructueuse ce matin. Ces derniers, depuis hier, les poissons ne meurent pas. Nous avions eu les poissons ici le vendredi passé, le samedi, jusqu'au dimanche. C'est là qu'il y avait abondance. Mais depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, jeudi, les choses vont carin carin. Et vous êtes prêt à repartir le lendemain? Mais bien sûr, puisque c'est notre activité. Si tu ne vas pas, les enfants vont manger quoi? La femme va manger quoi? Le matin, pendant que tu dors, c'est les enfants qui te réveillent qui vont déjà à l'école. Donc il faut absolument aller à la pêche tous les jours. Même si c'est difficile, tu vas. Si tu apportes même 1000 francs, les enfants vont à l'école avec 500. Le reste des 500, on saute le riz. S'ils reviennent, ils mangent. Tout en sachant que le Seigneur n'oublie personne. Le lendemain, tu peux aller, tu apportes 20 000, tu apportes 30 000. Comme tu peux apporter 50 000. Tout dépend du Seigneur. Bonassama, parmi ces trois quais, c'est au plus visité, dit Bol et Issou, que nous posons nos malles. Dans le vif de l'activité, quelques pêcheurs préparent les hameçons avant de prendre le fleuve ou la mer. Chaque geste est exécuté avec dextérité. La particularité de cette pêche se situe dans le fait de capturer du poisson frais
pour la plupart du temps vivant et dont on peut avoir une assurance certaine sur sa provenance. D'ailleurs, nombreux sont les amateurs de chair fraîche qui viennent en ces lieux s'en approvisionner. Je suis venu au bord pour voir du bon poisson. Ah, c'est un très bon poisson. Quand vous le prenez, le goût est différent. Si vous allez au marché avec celui-ci, celui-ci sort du fond. Ça a un très bon goût. Vous prenez ça. Hein? Je vous fais du bon piment là, le piment des doigts là, avec du jansan et du pébé. Vous mangez ça avec quelques millions, pas beaucoup de millions d'or. On vous donne même 5 millions d'or. Vous avez ça. Vous avalez ça. C'est un très bon. C'est un très bon. Avant de se mettre à l'eau, il faut bien entretien sur l'outil principal, la pirogue. Il est bien plus intéressant ici d'avoir la sienne. La location ou le prêt très souvent cause de nombreuses brouilles entre pêcheurs et armateurs. Les pirogues sont à moteur diesel remorqué ou à pagaie avec en toile de fond l'énergie humaine comme carburant. On pêche à Bonassama au filet et aux hameçons. Ici, nous pratiquons la pêche traditionnelle. Nous pêchons avec les hameçons à la ligne et nous pêchons avec les filets. Par exemple, ça, vous voyez là, ça c'est le filet des crevettes. Si tu n'as pas ce filet-ci, tu ne peux pas avoir les crevettes. Et si tu n'as pas les crevettes, tu ne peux pas avoir les poissons. Quelques poissons de petite taille sont utilisés comme appât. Les deux poissons-ci servent d'appât. Ça, c'est ça que nous les Douala nous appelons le belolo. Et les Français appellent ça petit alouche, parce qu'il y a les moyens et il y a les gros. Ça, c'est le mulet. Nous, les Douala, nous appelons ça mbo. Ça sert d'appât. Pendant qu'il est là, on prend, on découpe. Ça, on peut couper ça en trois ou en quatre parts. Et puis, on accroche dans les hameçons, on lance. Et aussitôt, si l'eau est claire, le poisson n'hésitera pas à venir mordre. Également pour ce petit mulet, on peut couper ça en trois ou en quatre. On accroche, on lance et le poisson n'hésite pas à mordre. C'est ça ici. Les crustacés, eux aussi, font bien l'affaire. Oui, c'est avec ça, à l'aide de ça, on prend, on met sur les hameçons pour tendre les hameçons. Et on patiente jusqu'à au moins 1 heure du temps à 2h30 du temps. Là, ça pêche tout poisson. C'est tout poisson qui mange ça. Est-ce qu'ils sont encore vivants quand les poissons viennent les chercher? Oui, ils sont vivants, on prend comme ça. Et on essaye d'épingler ici. Tu mets la maison ici, ça sort de l'autre côté ici là. Tu le lances vivant. Vous mettez où? On approche la maison sur son dos, ça sort vers son ventre. Maintenant tu le lances vivant, comme il fait le mouvement là. C'est là où le poisson voit et puis vient rapidement aussi attraper, comme il saute comme ça. C'est comme ça qu'il saute aussi avec la maison à la bouche. C'est au petit matin ou pendant la nuit que les filets et hameçons sont placés. Comme une barrière transparente, les poissons viendront s'y engouffrer. Tout dépendant dès lors de la réussite entourant cette énième journée de pêche. Alors que nous embarquons dans la pirogue, le fleuve paraît bien calme et la mer au repos. Le vent aussi nous est favorable. Le visage rassuré, deux coups de pagaie, nous voilà partis. Nos vies sont désormais confiées aux ancêtres, devenu esprit et établi en ces lieux. Le genre féminin est bien représenté à la pêche à Bonassama. Certaines femmes venant à pirogue depuis le Nigeria voisin. Nous nous approchons de ces autres dames
revenus de la pêche et qui font extraction de leur butin. Le poisson recueilli ici, c'est le belolo, en langue locale. Alors que nous reprenons le chemin, la croisée avec d'autres pirogues nous renseigne sur la fréquentation quotidienne de cette partie du fleuve Vouri. Plus haut, d'autres femmes sortent les filets placés au petit matin. La pêche se fait parfois à plus de 15 km du quai. Djebele, Dibombari, Bomono et la mer reçoivent souvent la visite des pêcheurs de Bonassama. Le parcours marin est agréable et la mer douce. À notre retour, un mini-marché s'est installé et se négocie déjà les fruits de la pêche. Ici, il faut garder l'esprit des affaires en éveil. Entre France CFA et après plusieurs négociations, les affaires sont conclues. C'est comme ça qu'on conserve le poisson. Tu achètes la glace. Tu achètes la glace. Comme vous voyez, ce que je fais là. C'est comme ça. Voilà. Comme ça, ça maintient son état de fraîcheur. Quelques intervenantes de la chaîne nous gratifient en explication. Moins cher, ici c'est 10 000. Moi je prends 8 000. Ici c'est 7 000. 3 000, 4 000, 5 000, 2 500. Si vous demandez maman Annie au bord de Bonassama, donnez-y ce que vous faites. Tout à côté, le service de nettoyage est paré et opère avec maestria. Certains acheteurs, après avoir fait leurs achats, le confient ensuite au nettoyeur. Ce nettoyeur peut souvent être un pêcheur n'ayant pas pris la mer. Le cas de Guillaume qui nous entretient sur son activité du moment. Moi, c'est Guillaume. Je fais dans le poisson. Faire dans le poisson, c'est quoi? Je suis pêcheur de profession, mais je ne le fais pas parce que je dois.
dans le moment très très difficile qui nous entraîne, nous les Camerounais, à faire n'importe quoi. Tout ce qu'on embrasse, on peut faire. Or, quand je fais ceci, c'est que par moment, je ne fais pas la pêche, je ne la pratique pas du tout. Et le matériel me manque par défaut. Donc pour le moment, pour que je ne reste pas, je m'abstiens de toute activité avec la famille que j'ai. Je viens, s'il faut nettoyer le poisson, et je le paie. C'est pas que c'est lucratif, mais le peu que j'essaie d'avoir pour une journée, bon, ça peut aller. Je peux rentrer avec 1500, 2000. Puisque ici, vraiment, il n'y a pas d'activité pour le nettoyage en tant que tel. Mais on se débrouille comme ça, puisque c'est difficile. Je ne peux pas aller voler. Vous voyez, un grand-père comme moi, j'ai toute une famille en Nouvelle. Je ne peux que faire ça pour le moment. Et certains jours aussi, il faut que je prenne ma pagaie, j'entre dans l'eau. Et je le fais sans complexe, il n'y a pas de problème. Avant, j'étais à Youpé. À Youpé, je faisais dans la vente du poisson, échec total, avec les problèmes de la famille. Pour le moment, je suis ici depuis l'an 2001. L'intégration n'a pas été facile, bien que c'est mon village, puisque j'ai laissé le village depuis longtemps. Hein. Ça n'a pas été facile. Au bout de 7 ans, j'ai pas pu. Mais progressivement, je me suis enfoncé. J'ai fait avec mes frères. Donc, il y a, disons, dans 2008, 2000, nous sommes aujourd'hui à 2018, donc pratiquement 10 ans. Et les nettoyages, je l'ai fait il y a 6 ans pratiquement. Donc, c'est comme ça que je m'en sors. Soutenir cette activité par les pouvoirs publics revient à pérenniser la culture des peuples de pêcheurs, mais aussi à conforter le bien-être des familles, tant sur la qualité des produits consommés que sur l'action mercantile. Oui, on a eu les ONG, on a eu les gens qui sont arrivés, maintes fois les gens de la ministère de la pêche, ils sont venus, ils ont pris les... notre adresse, quoi, le nom tout, nous ont promis. Et depuis jusqu'à présent, c'est ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce qui date d'il y a pratiquement 7 ans. Mais on ne voit rien, on ne voit rien, on nous promet, on ne voit rien. Par contre, on apprend à Youpé, on a donné ça à Bonal, mais ici chez nous à Bonassama, il n'y a rien. Donc nous sommes toujours à l'attente, mais vraiment nous sommes désolés, parce que l'État ne fait rien. Il est vrai, le chef de l'État a dit, demandez ce que vous avez fait. D'abord à l'État pour que l'État fasse quelque chose pour vous. Mais vraiment, c'est vrai, mais quelque part c'est choquant. C'est choquant sur nous. Nous qui nous débrouillons avec une grande famille, c'est choquant. Pour le moment, notre besoin c'est quoi? C'est que l'État puisse nous venir en aide pour qu'il nous procure le matériel adéquat pour notre activité. En termes de matériel, il y a des filets, il y a des moteurs au bord, il y a des pieds, tout ce qui est comme ce soir pour la pêche. Oui, c'est ça qui prévaut pour le moment. C'est tout ce que nous voulons pour un moment. Je sais que nous aussi, on peut se débattre. On est en train de se battre, mais ça ne va vraiment pas. S'ils essayent de faire quelque chose pour nous, venir en aide, pour qu'on... parce que c'est les Camerounais, ils ont besoin de ce que nous produisons. On n'ira plus qu'on attend le poisson qui vient d'ailleurs ou quoi que ce soit. Quand nous-mêmes nous produisons, je pense que c'est un avantage et ça va coûter moins cher. Et on a le bon produit, on a tout de meilleur ici au pays. Bonassama, c'est aussi son marché aux poissons fumés. Il y a un temps, Bonassama, grâce à la transformation des fruits de la pêche, se bombait le torse parmi les marchés les plus courus de la ville de Douala. Que de nostalgie exprimée par ces derniers résistants. I do sell in this market. Yeah, in Bonassama. Now like that, we don't have in the section. In the season that we have hard time, we don't have fish. As you can see the images, few people are there. Most of the store are closed and locked, and then we have a scarcity of things. Maybe it's because of this building like this. Look at this ancient business. My mother used to sell here, but now I'm finding myself also selling here. So I don't know if you can communicate with the government to also put us to also assist us. Look at our buildings. We want government to remember our market. This is the ancient market. It's our mother. My grandfather sell here. My mother sell here. Eh? So if government can renovate this market, and in fact, when there's a renovation, we have people can also here. People are no more coming here to buy. Look at the market. We don't have goods anymore. Look at our road here. There's a road that comes from the main road
to Bonasawa, they have closed the bridge. There's an entrance from the bridge that enter the market, but it is closed. So people find it difficult to enter the market because of transport. They prefer to go to the nearest market. Le marché n'est plus comme avant. Avant, le magasin c'était plein de poissons, des grands cartons. Maintenant, il y a les morts. Vous voyez, les magasins sont fermés. Les commerçants même se sont découragés parce qu'il n'y a pas de clients. Tous les petits marchés qui sont dans les environs là ont déjà éteint le marché pour Nassau. Maintenant, les clients ne viennent pas. Beaucoup se découragent. Ils vont aussi vendre dans les centres d'agam, petits marchés là-bas. Nous voulons que les clients viennent. Je suis ici depuis 20 ans. Il y a d'abord l'impôt. Cette année, on veut que nous payions 40, c'est cher. Parce que le marché même, parce que le marché est à mauvais client. Donc, un poisson de 100 000, on peut vendre ça pendant un mois. On va payer l'impôt comment? Il faut qu'ils réduisent les impôts parce que nous n'arrivons pas à joindre les deux. Avant, ça allait, mais maintenant, ça ne va pas. C'est d'abord l'entrée de cette route. Depuis que c'est fermé, c'est-à-dire c'est devenu pire encore. Donc il y a les magasins qui sont gardés. Regardez là, le vent a même fait tomber. Ici là, les papayers poussent même. Depuis la route là, les voitures n'entrent même plus. Parce que la route là est bloquée. Les motos même, pour que un client vienne ici, il faut contourner. Alors ça les énerve, ils préfèrent aller ailleurs. Les boutiques fermées, les cadenas bien encastrés, l'activité à l'arrêt, le désarroi au menu, malgré l'annonce du projet de reconstruction aux normes de l'enceinte du marché de Bonasama. Ici, on trouve de tout genre en poisson fumé. La morue salée, des sardines, en passant par les raies, chacun est garanti de son choix. Alors que nous sortons de Bonasama, l'équipe de Planète Vette note pertinemment que ces poissons vivants et d'une grosseur remarquable pourraient être utilisés comme géniteurs des futures fermes d'alevinage qui pourraient être mises sur pied pour le réempoissonnement de nos cours d'eau, fleuves et lacs aujourd'hui décimés par une pêche industrielle inadaptée et la pollution galopante de certaines entreprises locales. C'est sur ce dernier acte que nous quittons Bonasama, le regard tourné vers d'autres rives et autres découvertes agro-silvopastorales et environnementales du triangle national. Nourrit son homme, mais les manquements autour de la filière font de lui un saut métier. Mesdames et messieurs, c'était la première d'une série consacrée aux activités halieutiques au Cameroun, notamment à la pêche artisanale. Très prochainement, nous vous proposerons un autre épisode des activités de la pêche artisanale au Cameroun. Chers téléspectateurs, c'est ici que se referme cette édition de Planète Verte. N'hésitez pas à nous contacter à nos différentes adresses qui s'affichent à votre écran. Et c'est avec le même plaisir que l'on se retrouve sur les antennes de Canal 2 International.